Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi 6 avril. Le dernier vlog est sorti hier pour vous, enfin pour moi, la semaine dernière pour vous. Ça commence très très bien cette vidéo. Pour celles qui arriveront sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Madeline. Ici, on parle essentiellement de tricot et un peu de couture en rapport toujours avec le tricot puisque c'est mon métier. J'habite en Charente-Maritime dans le 17 et voilà à peu près ce que vous devez savoir sur moi. Habituellement, je n'ai pas cette tête-là, donc ne partez pas en courant. J'espère que ça ira mieux dans la semaine. Ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière savent que mon fils était malade. Bon bah voilà, après mon conjoint, mon fils, ça semblait logique que je tombe malade également. Je l'ai senti légèrement hier soir. Et puis cette nuit, non. Clairement, mon corps a dit tu ne passeras pas à côté de tous ces microbes sous son toit. Toi aussi, tu mérites d'être malade. Je préfère encore être malade aujourd'hui plutôt que la semaine prochaine quand on ira en Allemagne. Donc quelque part, c'est bizarre, mais je suis plutôt contente d'être malade. Parce que je me dis, si je suis malade maintenant, c'est clair qu'après, je vais être tranquille. Enfin, croisons les doigts. Bon, voilà, je reviens aujourd'hui et je suis dans l'atelier parce que j'ai posté vos colis, donc les sacs dans les tissus indiens que j'ai mis en ligne hier. J'en profite encore pour vous dire merci, moi j'en reviens toujours pas, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur publier à 18h et à 18h07, il n'y avait plus de sacs, j'ai même pas eu le temps moi de vérifier s'ils étaient bien en ligne. Je rafraîchissais, je voyais qu'il y en avait 6, mais je voyais pas les visuels quoi. Donc, et par contre, je recevais les notifications d'achat, donc mille merci à toutes celles, puisqu'il n'y a que des femmes qui ont passé commande. Un merci tout particulier à celles qui repassent commande pour la 2, 3, 4e fois parfois. Enfin, moi, je suis impressionnée, donc merci beaucoup de soutenir en fait ma petite boutique. Quand voilà, je vais tergiverser un petit peu, mais ça me semble important de vous le dire aussi. Puis c'est ça que me tenait particulièrement à cœur parce que ce sont des tissus qui viennent d'Inde, rapportés par des amis. Et je tiens à remercier du coup ces amis parce que sans eux, j'aurais pas eu ces magnifiques tissus. Et aussi parce que avant de les mettre en ligne, hier après-midi, je les ai contactés en leur disant que ça me ferait plaisir à moi, mais que si eux aussi, ça leur faisait plaisir, bien sûr, je leur laissais le choix. Et vous avez peut-être même pas prêté attention, c'est pas grave, moi je le sais et ça me tenait à cœur. Je leur ai demandé de donner un nom à chaque sac, voilà, un nom en tamoul. Et donc ils ont pris vraiment plaisir à le faire. Elle m'a répondu du tac au tac et tout ça avec ce que leur inspirait le sac à chaque fois. Je pense que sur les tissus indiens, s'ils sont ok, toujours je leur demanderai. Et à chaque fois, ce mot a une signification qu'elle m'a donnée. Bon, voilà, c'est un petit quelque chose, mais pour moi, ça a une valeur vraiment sentimentale que de les inclure aussi dans ce processus, parce que finalement, moi, les tissus, je les ai pas choisis. Je choisis les combinaisons que je fais entre eux, mais les tissus, je les ai pas choisis. C'est eux qui sont allés en boutique là-bas pour les choisir pour moi. Et donc de voir ça, en fait, des tissus à la fois qui ont voyagé, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec la couture, qui ont pris la peine et le temps, en fait, d'aller me choisir des tissus, et pour vous aussi, finalement, puisqu'on savait que j'allais en faire des sacs à projet pour la plupart. Et donc voilà, le fait de leur demander à nouveau un petit service pour ajouter un petit plus à ces sacs, ben, je trouvais ça super important, donc je voulais vous le partager avec vous. Ça vous intéresse de savoir que vous avez passé commande, et si ça vous intéresse de savoir la signification du nom du sac que vous avez reçu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je retrouverai ce qu'elle m'avait mis. C'est pas très long, hein, c'est quelques mots, mais voilà. Donc ça, c'était vraiment pour parler des sacs et pour vous remercier.
Hier soir, je suis tombée sur une publication. Alors, j'avais déjà vu, c'est un compte que je suis. Je vais vous le renoter parce que voilà, où je vous mets la photo carrément du visuel que j'ai vu de la publication. C'est un compte d'une designeuse de patron au crochet. C'est Granny Crochette Hooped. Et à chaque fois que je vois ce petit monsieur-là, je pense à mon papa. Voilà. Ceux qui connaissent mon papa, c'est son portrait tout craché. Donc j'ai mis un story, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai mis que c'était dommage parce qu'il me semblait que le livre de ces personnages-là existait qu'en espagnol. Elle m'a répondu rapidement que non, je me trompais et qu'il existe en 5 langues, dont l'anglais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai demandé si ça vous semblait jouable pour quelqu'un qui ne parle pas l'anglais de crocheter dans cette langue. On m'a dit que oui, et en plus il existe en PDF, donc comme ça je vais pouvoir faire la traduction PDF. Donc je vous mets la couverture du livre. Donc forcément je l'ai commandé en PDF, je vais certainement pas aller crocheter tout de suite. En plus il me semble qu'il faut un crochet, oh pardon, un crochet 1,5 ou 1,75 avec du coton différent. Enfin bon, bref, il faut que je me penche sur la question. Après, je me dis peut-être que, parce que moi, quand c'est trop petit, j'ai du mal à y voir. Peut-être que je les ferai beaucoup plus grands. J'en sais rien. Bon, bref, je n'en suis pas là pour l'instant. Et puis, donc ma vidéo est sortie hier. Et puis quelqu'un m'a dit, oui, effectivement, tu as décalé toute ta maille centrale sur ton châle brioche, donc une brioche pour le thé de Laetitia, de même les anges tricotent. Et effectivement, j'avais tout décalé sur mon. Je vous mets la photo ici de quand je vous l'ai montré dans le vlog dernier. J'avais bien décalé ma maille, donc j'ai compté de chaque côté de ma maille centrale le nombre de mailles et j'avais une différence. Donc j'ai dû oublier de décaler en fait. À un moment donné, il faut décaler son marqueur. J'ai dû oublier de décaler mon marqueur 3 fois. Donc la question s'est posée de soit tu détricotes jusqu'à où tu t'es trompé. Sauf que détricoter tout court, moi c'est compliqué. Détricoter de la brioche, j'oublie. Je ne fais pas. Donc c'était plutôt la solution de soit tu détricotes tout ton châle et tu recommences depuis le début, ça faisait une semaine que j'étais dessus, voilà. Soit tu te dis que l'erreur fait partie de ton processus d'apprentissage de la brioche et donc tu le laisses et t'aimeras quand même ce châle parce que c'est un premier en brioche et que je suis déjà très contente d'avoir fait de la brioche, mais par contre il fallait rattraper. Ce décalage que j'avais pour pas que mon châle parte sans arrêt comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Je déviais par là. J'ai pris la décision de redévier sur 3 rangs par là pour pouvoir regagner mon arête centrale classique. Là, j'ai retricoté donc dessus. J'ai redévié comme je vous disais pour me retrouver au bon endroit au niveau de ma maille centrale. Et il me reste, je crois, 4 rangs à faire, aller-retour. Je vous montre ce que ça donne. Alors, de ce côté-là, on voit moins. Je vais vous montrer après de l'autre. On voit moins. Si, on voit quand même. Bon, ben voilà. Et je vous promets, je n'avais pas bu quand j'ai tricoté ce châle. Je ne bois pas. Mais ça fait quand même un peu la nana ivre qui dit, vas-y, allez par là. Finalement, c'est... Je me fais rire toute seule. J'ai un peu de fièvre. Il y a peut-être ça aussi. Non, non. Ne te cherche pas d'excuses, Mel. Bon, ben voilà, là j'ai regagné. Donc normalement, ça va tout droit comme ça. Bon, ok, il ne sera pas parfait. Est-ce que c'est grave? Non. Voilà. Alors merci à celle qui m'a mis un commentaire en me disant mais si, mais et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai répondu, moi j'ai pas de honte à dire que. Je me suis trompée et j'ai pas de honte à dire que j'ai pas envie de recommencer depuis le début. Enfin, en fait, je sais que si j'avais tout détricoté pour recommencer, je l'aurais pas repris ce châle. J'en aurais été dégoûtée. Je me serais dit, ben, en gros, pendant une semaine, j'ai tricoté un truc que j'ai pas dans les mains, quoi. Personne va me dire, à tout moment, je monte mon châle et on va me dire juste qu'il est beau, quoi. Tu vois?
en chalbolo. Ça fait vraiment bolognaise. Ça en a fait rire quelques-unes, mais c'est vraiment les couleurs, voilà, les pâtes bolo. Des pâtes bolo. Bon, voilà pour ce châle brioche. Je vais en profiter d'être dans l'atelier là pour prendre quelques petites photos, je pense, ou je peux trop. J'ai envie de faire un générique de début parce qu'à chaque fois, je vous reprends certaines parties que je vous mets en noir et blanc du vlog. Mais en fait, j'aimerais bien avoir un générique. J'ai vu que Mélanie des Aiguilles Aventurières avait fait aussi celui de Sophie au fil de la ruche. Je trouve que c'est très bien. Bah, je vais m'en inspirer, je m'en cache pas. Je vais faire différemment, enfin, ce sera pas les mêmes visuels et tout ça. De toute façon, moi, j'ai pas d'abeilles. Mais je vais m'en inspirer et comme ça, en plus, je gagnerai du temps sur le montage du vlog qui prend déjà pas mal de temps, puisqu'en fait, je vais créer une vidéo qui sera juste mon début de mon générique, et puis à chaque début de vlog, je vous le mettrai quoi. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui parce que là, j'ai un peu la tête comme ça et en même temps, j'aime pas rien faire. On se retrouvera donc lundi, j'espère, si tout va mieux. Voilà, à lundi. Et bien finalement, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche, parce que j'ai pris une grande décision dans ma vie tricoteuse. Je vais détricoter mon châle, une brioche pour le thé. Voilà. On en a discuté, enfin en fait j'étais en train de le tricoter, je suis à la partie au point mousse dans la laine de Au fil d'Horus qui est, alors là on voit pas très bien parce que je sais pas, la luminosité est pas top aujourd'hui, mais en fait, bon alors déjà sur ici là, sur la partie du point mousse, quand je comptais, j'avais une maille de décalage au bout de 4 ans, donc j'ai dû redécaler. Je me dis, non, mais si même dans le point mousse, mes comptes sont pas juste relou, quoi. Relou. Et puis, je suis pas du genre à voir que les erreurs, mais en fait, après, en réfléchissant, je me dis, c'est quand même un châle. Un grand châle, donc je pense que je le porterai principalement sur les épaules. Et quand je l'aurai sur les épaules, la partie qui sera sur le haut de mon dos, c'est celle-ci. Donc c'est la partie avec la grosse erreur, quoi. Donc, là je suis venue dans l'atelier parce que c'est plus facile. Je vais remettre mon bobine noir et comme ça je vais rebobiner ma laine au fur et à mesure. J'espère que ça va le faire parce que du coup j'ai déjà coupé... bien sûr, mes deux couleurs de brioche. Et alors, j'hésite. On verra dans la semaine si je le reprends ou pas. Parce que je suis encore HS. Donc, je ne vais pas le reprendre là tout de suite. Je vais attendre que ça aille mieux pour le reprendre. Et j'hésite, pour qu'il y ait moins de contraste sur ma brioche, de faire ma brioche avec celui-ci et celui-ci. Et d'utiliser... On ne voit vraiment rien, hein. D'utiliser ce coloris rouille là pour faire le point mousse, parce que c'est un stellina ou un lurex, c'est un lurex et qui a des jolies nuances, donc je me dis que ça pourrait être sympa aussi. Bon voilà, je vais réfléchir, j'enlève mes bloqueurs de maille et je rembobine tout ça. Voilà, comme quoi, c'est la première fois que je vais détricoter quelque chose, mais là, vraiment... Puis, je sais pas si c'est le fait d'être malade ou quoi, mais en fait, plus je le regarde et plus ça m'agace. Et je me dis, non, mais il fallait détricoter au bon moment, il fallait avoir l'œil dessus tout le temps. Bon, bah maintenant, je le saurais. Par contre, ce qui est cool, c'est que du coup, enfin, je croise les doigts. Mais c'est que du coup, j'ai pris le rythme de la brioche, donc je vais compter à chaque fois, même si j'aime pas ça du tout. Je vais bien compter et je vais être bien attentive. Et j'ai pris le coup de la brioche. Donc normalement, ça devrait être plus simple pour cette deuxième fois. Je vois là dans le retour écran ma tête. Je suis désolée. Voilà, c'était juste pour vous dire que bah, je le détricote.
Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas le refaire, que je ne vais pas le reprendre, mais voilà. Alors, comme je disais aux filles, hein, j'ai rien contre le patron, c'est juste moi qui ai pris un mauvais départ. Et du coup, mes comptes n'étaient pas bons. Et après, pour rattraper mon comptage, ça a été quand même assez complexe, quoi, de revenir sur la bonne ligne. Et après, je suis partie dans un truc et ça va pas, quoi. Ça va pas, donc ça sert à rien de... Oh, c'est du tricot, quoi. Donc on vire tout ça. Et puis sans rancune, je reprendrai ce châle, mais bon, après, j'en étais pas arrivée bien, bien loin. Hein. Voilà, je veux dire, oui, ça fait une semaine que je tricote dessus. J'ai pas tricoté que ça. Et puis pour tout vous dire, je suis du genre à me dire les erreurs, ça va, c'est bon. Enfin, je l'ai encore posté d'ailleurs sur Instagram ce matin, que ça fait partie du processus et je suis totalement en accord avec ça. Là, mon conjoint, il l'a vu et parce que je voulais lui montrer, parce que les chevaux de Ophildorus, c'est lui qui me l'avait offert pour celles qui ont suivi pour la Saint-Valentin. Et je voulais lui montrer ce que ça donnait au point mousse. Il me dit, mais c'est super beau, c'est vraiment dommage par contre que ça parte de travers comme ça. Là, je me dis, si lui, qui habituellement a pas trop l'œil, qui, enfin voilà, ça lui passe au-dessus, il connaît rien en tricot, si là il me dit ça, bah laisse tomber, en fait, c'est que tout le monde va le voir. Donc, non, non. Voilà. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, ça part sur un détricotage. Allez, on se retrouve demain pour autre chose. Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui, on est lundi. Je suis toujours... malade, bien que ça aille quand même. Je vous avais dit que mon fils allait mieux. Bon, ben voilà, il a été malade cette nuit, donc on se rajoute un peu de fatigue, mais bon, ça va et ça va aller. J'ai un peu tricoté mes chaussettes. Il n'y a aucune transition. Hein. Mes chaussettes boréales de laine poudrée. Voilà. Alors je vous dis un peu parce que j'ai même pas fait une répétition de dentelle. Mon amie avec qui je les tricote en mini-cale, on va dire, a fait une répétition complète de dentelle. Mais ça va être super beau. Alors là, j'ai des plus grands espaces. Et je pense que c'est parce qu'encore une fois, je faisais un double jeté en fait. Donc plus ça va aller, mieux ça va aller. Mais franchement, c'est trop beau. Alors, celle-ci, c'est de la Jawohl de chez Lang. Et l'autre, c'est de la Gizeh Sock en coloris couronne d'Égypte de Didier Ophildorus. Et franchement, elle est magnifique. Donc, j'avais peur que ça ressorte pas suffisamment au niveau de la dentelle. Et puis finalement, je trouve que ça ressort quand même. Donc voilà, je suis contente de ces chaussettes. Et alors ensuite, oh, je suis désolée, j'ai fait un plan. Du coup, je suis super proche. J'ai tricoté un peu de mon gilet laurier. Est-ce que vous allez voir si je l'essaye? J'ai terminé ma deuxième pelote. Donc là, j'ai attaqué la troisième. Pression encore une fois qu'à chaque fois que je vous montre, on en est au même stade. Non, c'est pas possible, je tricote quand même dessus, donc alors, attendez, ça va avoir un petit bazar derrière. Voilà, donc il m'arrive vraiment finalement à la limite du pantalon. Je sais plus combien il y a de côtes à faire. Bon, de toute façon, il faut tricoter 20 cm. Là, je n'ai pas 20 cm. Ah, eh bien, je viens de mesurer sous en manchure. Je suis à 21 cm sans étirer. Donc, normalement, je suis censée m'arrêter puisqu'il fallait 21 cm pour la taille M.
Mais je trouve que ça fait court quand même. Même s'il y a des grosses côtes, je vous avais dit, moi, le but, ça va être de le porter ouvert et qu'il soit un peu long. Donc, je vais continuer sur quelques rangs avant d'attaquer les côtes. Les côtes, pardon. Alors, aujourd'hui, à l'atelier, je vais terminer ces quatre sacs que j'avais commencé. Donc, il faut que je les double et que je fasse les petites pochettes qui vont avec. Ce sont des tailles moyennes. Et puis, j'ai eu deux commandes personnalisées que je vais réaliser aussi aujourd'hui, comme ça, voilà. Et après, je vais faire. Donc pour aujourd'hui, ce sera déjà bien. Et après, je ferai les sacs dans les tissus indiens à nouveau pour essayer de vous en proposer en fin de semaine. Mais c'est pas sûr. Ça va dépendre aussi de pas mal de choses, vous l'aurez compris, et de comment on se sent à la maison, parce que bah on s'adapte encore une fois. Donc voilà pour la journée. Je reviendrai vous voir demain ou mercredi, je sais pas, pour vous montrer l'avancée de mes tricots. J'ai fait un appel aux questions, une foire aux questions, en post sur YouTube et puis sur Instagram. Bon bah quand vous verrez cette vidéo-là, ce sera trop tard puisqu'en fait après je m'en vais à Berlin la semaine. Quand vous verrez cette vidéo, la semaine qui suit, je serai à Berlin. Donc je pourrai pas tourner de vlog. En tout cas, je vais peut-être tourner quelques petites séquences, j'en sais rien, mais pas sur du tricot. Et donc, je me suis dit que pour vous programmer une vidéo, l'idéal, ce serait peut-être de faire une foire aux questions. Comme ça me permet de la tourner en fin de semaine là, et puis de la prévoir pour la fin de semaine prochaine. Voilà. Bon, je vous reprends finalement aujourd'hui, assez rapidement. J'ai fini de faire les quatre sacs. Je vous ai mis une petite story Instagram. Donc voilà, les quatre sacs sont faits avec leurs petites pochettes. Là, je filme quelques minutes parce que voilà, j'ai une petite idée qui m'est venue et je veux la partager avec vous. Et puis ensuite, je mets les trois autres sacs en ligne. J'ai plus de voix. Et donc, la petite idée, c'est que je viens de découvrir qu'une de mes abonnées a ouvert sa chaîne YouTube, ouvert. Mis en ligne son premier épisode tricot, en gros. Je vous mets sa chaîne ici, Les Pérégrinations Créatives, c'est Bella Créa sur Insta. En fait, j'ai passé un super bon moment à la regarder. Moi, je regarde, je mange du podcast et du vlog tricot à longueur de journée parce que je mets ça en fond, même quand je fais de la couture et tout ça, j'aime bien. Alors, parfois, j'entends pas tout parce qu'avec les bruits de la machine, ça prend le dessus, mais j'adore suivre ça, donc voilà. Et je me dis, sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui parlent des vidéos qu'elles regardent. J'ai aucun jugement là-dessus, hein. Je ne pensais pas le faire moi. Enfin, je vous en parle comme ça de temps en temps, mais je ne vous fais pas une liste détaillée de ce que je regarde. Et bien souvent, on retrouve les mêmes personnes et ce sont des personnes comment dire ça sans être vexante? Parce que ce n'est pas mon but. Qui ont déjà de la visibilité, moi, mon but n'est pas. Enfin, je veux dire, elles ont déjà de la visibilité. Donc, quand on tape podcast tricot ou vlog tricot, on tombe sur elles, quoi, automatiquement. Elles ou ils, automatiquement. Et donc, je vois pas l'intérêt, moi, petite chaîne, d'aller faire de la pub, entre guillemets, à ces chaînes qui ont pas mal d'abonnés. Voilà. Donc, j'ai envie de faire plutôt l'inverse. Donc, je me suis dit, moi, mon but, et c'est ce qui me ferait plaisir aussi, parce que j'adore vous découvrir, c'est de vous faire connaître, vous, petite. Je ne sais pas si ça se dit, enfin bon, bref, chaîne YouTube. Donc, la condition, c'est d'être forcément abonné à ma chaîne et d'avoir une chaîne YouTube qui parle de tricot ou de choses créatives, voilà, puisque c'est un peu ouvert à tout. Si vous remplissez ces deux cases,
vous me laisser un commentaire sous cette vidéo ou sous les futures vidéos me disant bah, écoute Madeline, moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle comme ça et je partage mes créations, mes réalisations, tricots, etc. Et viens faire un tour en gros. Donc je commencerai par aller visionner une de vos vidéos, mais le but c'est dans les futurs vlogs de vous partager en fait des petites chaînes qui commencent sur YouTube et qui parlent de ce qu'on aime, c'est-à-dire le tricot. Voilà, et de donner un petit coup de pouce à mes abonnés comme ça qui ont une chaîne YouTube. Voilà, et si vous avez 5000 abonnés, enfin moi je suis ok, mais... Étant donné que mon but c'est de faire connaître les petites chaînes, à 5000 abonnés, on n'est plus une petite chaîne, je pense. Voilà. Mais bon, on ne sait jamais, je peux faire de très belles découvertes. Je me suis un peu perdue. Bon, au final, vous aurez compris, c'est... Voilà, ça va fonctionner comme ça. Si vous avez une chaîne YouTube et que vous êtes abonné, une de mes abonnées ou un de mes abonnés, et que vous avez envie que je cite votre chaîne dans le prochain vlog, donc qui ne sera pas vendredi de la semaine prochaine, mais l'autre, hein, je le rappelle, puisque vendredi de la semaine prochaine, ce sera une vidéo hors série, et ben n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous une de mes vidéos, et dès que je le verrai, j'irai voir votre chaîne pour pouvoir la repartager. Voilà, j'espère que cette petite idée vous plaira, et je trouve que ça change un peu que de voir toujours les mêmes têtes. Place aux nouvelles aussi, plus on est de fous, plus on rit, voilà. Écoutez, pour aujourd'hui, c'est bon, j'ai pas tricoté de la journée, hein. Je n'ai fait que de la couture, mal de crâne et c'est tout, et c'est tout. Allez, à demain ou après-demain. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, on est le mardi et je retrouve un semblant de tête qui ressemble en tout cas à quelque chose comparé à ces trois derniers jours. Donc je suis plutôt contente, ma voix revient tranquillement aussi et il fait soleil. Alors pas pour longtemps parce que tout autour il y a des nuages, mais on en profite. Là il est 9h, un truc comme ça, 9h05. Donc on va prendre ce qui se présente. Alors, je reviens rapidement pour vous montrer mon avancée. Hier soir, j'ai tricoté uniquement sur ma chaussette puisqu'après, j'ai commencé à regarder un peu les adresses où aller à Berlin parce qu'on va y être que quelques jours. On a envie de voir le maximum de choses possibles. Et puis, j'ai aussi envie d'aller visiter quelques petites boutiques de laine. Au-delà des choses historiques qu'il faut voir à Berlin, voilà, j'ai aussi ma petite partie shopping. Donc voilà, j'ai commencé à regarder parce que Berlin, c'est ultra grand, en fait. Donc quand j'ai commencé à voir qu'en métro, pour aller de notre hôtel à un des spots, il y avait 1h20 de métro, j'ai dit mais ah oui, quand même, il va falloir s'organiser si on veut optimiser un minimum. Donc voilà, j'ai commencé à regarder ça, ce qui fait qu'hier, j'ai pas beaucoup tricoté hier soir. J'ai regardé le podcast de Monsieur Knitting qui est sorti, que j'ai adoré, j'ai passé un super bon moment. Et puis en même temps, j'ai continué ma chaussette boréale de Laura, laine poudrée. Et alors j'adore, ah puis là on le voit bien. Alors je pense qu'une fois bloqué, ça rendra encore mieux. Mais vraiment, vous voyez, je vous parlais de la laine là. Je regrette pas du tout mon contrastant qui, je trouve, va super bien avec. Enfin, un jaune fluo aurait bien été aussi, mais ça aurait moins contrasté pour le coup. Et alors là, j'ai fait une répétition, si je vous montre comme ça, une répétition complète du motif. Je trouve ça, franchement, magnifique. Alors, il faut suivre, hein. Faut suivre ligne par ligne, faut pas décrocher. Il y a quelques rangs qui sont un peu plus simples, mais quand même, il faut rester focus sur le patron, ce qui est normal puisque ce sont des chaussettes avec une dentelle assez complexe, mais c'est ce qui fait aussi que c'est super beau, quoi, une fois que c'est réalisé. Donc voilà ma petite avancée, mais j'en suis trop contente. J'avais peur que le motif ressorte pas très bien. Alors hier, on le voyait pas super parce que bon, déjà, j'avais pas avancé autant. Puis en plus, la luminosité était pas top. Mais là, là on voit bien. Je vais faire comme ça, je me cache.
Donc voilà, c'est ma seule avancée d'hier. Là, je vais préparer, enfin préparer, en fait, tout est déjà prêt. Des commandes d'hier. Une fois que j'ai fini de faire les sacs, je passe un coup de roulotte dessus pour enlever tous les petits mimi, comme j'appelle ça. Voilà, c'est un atelier, donc forcément, il y a des poussières de tissu, il y a des, enfin, voilà, du fil et tout ça. Donc, je passe un coup de rouleau dessus. Après, je mets la petite surprise dans la petite pochette. Et puis, je mets ça comme ça, avec mon petit, enfin, tout ce que je mets habituellement. Et puis comme ça, une fois que les commandes sont passées, j'ai plus qu'à imprimer le bon de commande à l'intérieur, enfin la facture, et puis à venir mettre votre adresse dessus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, quand vous passez commande sur Etsy, pensez à bien renoter votre prénom pour l'adresse de livraison, parce que bah, en fait, là, ça me met des points à la place des prénoms. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça me le fait sur certaines personnes. Et là, les deux commandes que j'ai eues, il y a des points et ensuite votre nom, quoi. Donc moi, à la main, je réécris votre prénom si j'ai votre prénom. Mais sinon, c'est compliqué. Voilà. Bon, je pense que le colis arrive quand même, mais moi, j'aime bien que ce soit bien fait comme ça, je suis sûre, quoi, qu'il n'y a pas de souci. On met toutes les chances de notre côté. Donc voilà, ce qui est prévu pour aujourd'hui. Ensuite, je vais à la poste et puis je continue une journée de travail, somme toute classique. On se retrouve peut-être pas demain, je sais pas, on verra. Bon, allez, je vous reprends un petit peu là entre midi et deux parce qu'il faut que je vous montre quelque chose. L'heure est grave. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben ouais, non, mais je me suis dit, si je le reprends pas maintenant, je le reprendrai jamais, je me connais. J'ai tellement galéré la semaine dernière sur l'autre, j'ai envie de dire, parce qu'il n'avait rien à voir avec ça. Donc c'est un début de châle, le châle une brioche pour le thé. Et sauf que j'ai fait la lumière toujours, hein. Et ben voilà, j'ai changé la disposition de mes écheveaux. Donc d'un côté, j'ai le non teint. Et de l'autre côté, j'ai au fil d'Horus. Je sais plus. Bon, j'essaie de vous le noter. Je sais plus ce que c'est. Un truc du tisserand. Je crois. Bon, je l'ai dit dans des autres vidéos. Je trouve que le contraste est beaucoup plus doux comme ça. Ça me plaît mieux. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur, mais j'ai envie de vous dire, j'ai dû faire 6 rangs. On est content. Mais c'est pas grave. Je sais très bien que ça, je peux pas l'emmener en Allemagne, que je vais pas le continuer. Donc voilà, on verra cette semaine ce que j'avance dessus. Mais je vais être ultra focus, ultra concentrée. Je vous ai dit ça ce matin pour mes chaussettes boréales. Ben là, ça va être la même chose. Il faut pas que je me plante. Il faut pas que je me plante. Et si je me plante, je détricote tout et on oublie ce châle. Voilà. Ben ouais, je suis désolée, je suis comme ça. Je le reprendrai peut-être plus tard, mais je me dis que voilà, c'est bon. Faut pas non plus que ça devienne un truc, voilà. Mais j'aime toujours autant le faire. Et alors là, j'ai rien mis comme temps à monter ça parce que, en fait, j'ai déjà la logique des rangs. Donc, j'ai envie de dire, ça s'est fait tout seul, mais vraiment quoi. Ah, je suis contente. Je suis contente de m'être motivée là entre midi et deux pour le recommencer. Parce que, et en plus, ça va être beaucoup plus doux. Donc, le but maintenant, ça va être de faire la brioche comme ça, en gardant la maille centrale bien centrale, n'est-ce pas? Et je vous montre. Ensuite, j'aurai la couleur rouille de chez Hippie Fibre qui sera le point mousse. Et en plus, comme il y a de la stellina et vraiment des jolies nuances dedans, je pense que ça va être sympa. Et ce sera facile aussi à porter. Et ça fait moins châle bolo, bien que ça ne me dérangeait pas. Enfin voilà, mais le contraste était quand même très très fort. Du coup, les erreurs sortaient très très fort.
Je me fatigue. Mais c'est que je suis persuadée que sur toute la grandeur du châle, voilà, il sera pas parfait. Il y aura certainement des erreurs. C'est pas grave. Tant que c'est pas une grosse erreur comme la dernière fois. Du coup, je flippe tout le temps parce que je me dis, ça se trouve, t'es encore redécalé et tout. Autant que je fais attention. Mais la maille centrale est bien centrale. Je vous ai dit, je suis pas partie bien loin. Bon, voilà, et ben vraiment, c'était juste pour vous montrer ça ce midi. Et je sais pas si on se retrouve demain, parce qu'en fait, demain c'est mercredi. Donc, et en plus, je vais avoir pas mal de trucs à faire demain, comme préparer les valises, parce que tant que c'est pas fait, j'ai ça en plus dans la tête. Donc, demain, voilà, comme je vais pas pouvoir travailler, je vais faire les valises. Voilà. Donc ça sent bon les vacances aussi et je pense que c'est ça aussi qui me booste un peu parce que je dis à mon conjoint, c'est bon quoi, la maladie là ça commence à tour de rôle, stop. Je dis ça et j'ai l'œil qui commence à être brillant. Oh. Je suis désolée par avance de la tête que j'aurai dans tout ce vlog parce que je pense que c'est pas terminé. C'est fou hein. Ça ne fait que ça, c'est-à-dire que j'ai des montées de température, puis d'un coup ça va mieux, puis après j'ai super froid, super chaud. Enfin bon, voilà, je vous fais pas de dessin, hein, vous connaissez. Mais du coup, je suis vraiment désolée pour. En soi, ça va, j'arrive à faire des trucs et tout, j'avance sur ce que j'ai à faire. Je parle au niveau travail, mais par moments, j'ai l'impression qu'il y a un gros nuage qui fait. Après, ça va mieux. Vous allez vous dire, il est complètement taré, un peu, pas complètement, mais je l'avoue. Bref, ce sera un vlog au naturel. Bon, bah finalement, on se retrouve. Voilà. Il faut que je vous montre quelque chose. Julie, le tricot de Juju, si tu passes par là, tu coupes et tu vas 5 minutes plus tard, ok? Mais en fait, elle m'a passé une commande pour son anniversaire. Elle a choisi les tissus. Je la vois, vous, quand vous verrez ce vlog, je la verrai dans une semaine. Mais du coup, je ne vais pas retourner de vlog. Mais je voudrais quand même vous montrer ce qu'elle m'a commandé parce que j'aimerais savoir si ça vous intéresserait, en fait, que j'en fasse d'autres. Alors, ça va faire du bruit parce que... Voilà, je l'ai mis dans un carton. Promis, Julie, tu m'as demandé de ne pas te l'envoyer en photo une fois fini, donc tu squeezes, hein, tu vas plus loin. Elle m'a commandé un sac grand format, sac à projet, grand format. Et donc voilà. Hop. Alors il était tout bien plié, donc forcément, il va avoir pris la forme du enfin, le pli. Hop. Donc voilà, elle a vraiment choisi ses tissus qu'elle avait vu à la fois en vide. Enfin, elle m'a dit j'aimerais un sac grand format dans les tons rouges. Et du coup, je lui ai envoyé plusieurs combos. Et je sais qu'elle aime bien tout ce qui est doux. Donc là, le velours côtelé rouge, c'était parfait. Et donc voilà son sac terminé. Alors, je n'ai pas fait, je ne lui ai pas dit, elle verra plus tard. Je n'ai pas fait dans le sien de pochette à l'intérieur. Parce que finalement, je vois sur celui de mon fils, elles ne se tiennent pas super bien. Et le seul moyen que j'aurais trouvé pour qu'elles se tiennent super bien, sans avoir à rajouter de fermeture éclair et tout ça, c'est de rajouter des pressions. Sauf que je vous ai dit, les soucis que j'ai avec mes pressions en ce moment, j'avais pas forcément envie de me rajouter ça. Et puis que ce soit compliqué avec les pressions à ouvrir aussi. Donc, Julie adore les petites pochettes. Et je vais lui en faire deux. Voilà. Donc, j'en ferai une plus grande qui remplacera les deux petites poches qu'il y a à l'intérieur. Et je lui en ferai une petite que je lui offrirai pour... ce sera ma participation à son anniversaire. Voilà, puisque c'est une tricopine que je vais rencontrer en visu. Et ce sera son anniversaire à la fin du mois. Donc, voilà, je lui offrirai la petite pochette assortie. Donc, voilà. Elle n'a pas voulu de bandoulière, là, de sangle, pardon, dans le dos.
Voilà, elle voulait vraiment le grand format, mais identique au moyen. Si ça vous intéresse, est-ce que je peux me mettre debout? Voilà. Je ne sais pas si on se rend un peu plus compte de la taille. Si ça vous intéresse, eh bien, dites-moi. Et puis, je me lancerai à en refaire quelques-uns. Voilà. Après, je pense qu'il y en a qui n'ont pas très bien compris ou qui n'ont pas regardé... mes précédentes vidéos ou celles où je le dis, il est possible pour vous, parce que je reçois plein de messages qui me disent je suis passée à côté de tes ventes, ou il y a tel et tel tissu qui me plaisait bien, puis finalement il est parti, contactez-moi. Enfin voilà, en fait je prends 5 euros de plus pour les commandes personnalisées, c'est-à-dire les sacs que je n'ai pas fait de moi-même, quoi, choisi les tissus. Donc, s'il y a des sacs qui ont été faits qui vous plaisent bien, je referai jamais deux sacs identiques, mais je peux inverser les tissus, ou enfin voilà, on peut trouver d'autres combinaisons, je veux dire, ensemble. Envoyez-moi un message sur Instagram, en privé, et puis vous me dites, voilà... moi j'aimerais un sac comme ça, j'ai vu tel ou tel tissu dans tes vidéos ou dans d'autres sacs qui ont été vendus, est-ce qu'il t'en reste? S'il m'en reste, je vous fais votre sac dans la taille que vous souhaitez, et juste par rapport au prix initial, je rajoute 5 euros. Donc les petits formats sont à 32 euros, les moyens formats à 35 et les grands formats à 45. Et ben, si vous voulez des commandes personnalisées sur du petit format, vous êtes sur un sac à 37 euros au lieu de 32 parce que vous avez choisi soit les coloris, enfin voilà, et puis en plus je vous le fais, enfin il est pour vous quoi, il n'y a personne d'autre qui est censé l'acheter, voilà, je pense même que ce que je vais faire, alors soit je reste sur Etsy là, enfin... Non, en fait, c'est bon, je crois que ma décision est prise. Allez, hop, je suis repartie sur un autre chemin, je vous le dis. J'ai discuté avec Audrey, de la chaîne Audrey V, qui a lancé son site de laine teinte à la main. Elles sont magnifiques. S'il vous plaît, quand elle fait une mise à jour, laissez au moins le temps que je... Enfin, laissez-moi le temps d'aller sur son site et de passer ma commande. Puis ensuite, vous passez votre commande, ok? Parce que là, je suis un peu dégoûtée de voir les filles qui reçoivent leurs échevaux et moi, je suis là, oui, j'aurais bien aimé. Bon, c'est de ma faute aussi, je m'y suis pas prise le jour J. Bon, c'est pas grave. Je suis très heureuse pour elle. Et donc, elle a créé son site avec Célène et elle me disait pour Etsy, et ben pourquoi moi, j'avais pas pensé à... Oui, j'y ai pensé, sauf que je suis pas... Ça me rajoute en fait du truc. Et puis, il ne faut pas oublier que moi, à la base, j'étais couturière dans mon petit atelier. Et puis, j'ai présenté les sacs que j'utilisais pour moi. Puis, vous m'avez fait la demande et j'en suis très heureuse, encore une fois, parce que je voyais ça à long terme, en fait, de dévier plus vers de la création que vers de la retouche, puisque ce que j'aime faire, c'est la création. Donc finalement, il y a une porte qui s'est ouverte à moi comme ça, sans que je fasse quoi que ce soit. Enfin, si, je me suis mise sur YouTube à la base pour parler de ma passion, mais jamais j'aurais imaginé que ça allait m'amener à vendre des sacs et tout ça, et des articles en rapport avec le tricot. Et donc voilà, dans la... précipitation, j'ai envie de dire, enfin, parce que j'avais envie aussi que ça aille vite, je vous ai présenté mes sacs sur Etsy parce que j'avais déjà une boutique Etsy qui était ouverte quoi. Mais je pense bien évidemment aussi, puisqu'on va pas se le cacher, Etsy prend une bonne part, ce qui est normal hein, puisqu'il y a... Bah, il s'occupe de plein de choses en fait, ce site-là, il donne de la visibilité et tout ça, mais ceci dit, au niveau de la visibilité, moi ce que je vois, c'est que en fait, si vous arrivez sur ma boutique Etsy, c'est parce que vous me suivez là sur YouTube ou sur Instagram. Donc finalement, est-ce que j'ai besoin de la visibilité Etsy et est-ce que je dois lui devoir ça en plus? Enfin, je m'explique pas très très bien, mais je pense que vous aurez compris. En gros, l'idée, c'est de minimiser ce que j'ai à donner en plus de mes ventes. Pour faire
très simple. Et donc, avoir un site internet, ce serait l'idéal, sauf que moi, j'y connais rien. Mon conjoint, il n'est pas contre me donner un petit coup de main, mais franchement, je sens que l'envie n'est pas non plus très folle. Et j'ai ma cousine qui, à qui je fais un coucou parce que de temps en temps elle passe par là, mais bon, je sais pas si sur cette vidéo elle passera là, qui m'avait proposé son aide justement pour créer un site internet, et je cherchais un hébergeur, et puis après je me suis dit oui, mais est-ce que nanana, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que je vais me lancer maintenant, est-ce que j'ai le temps pour ça, enfin voilà, hein, toujours la même chose. Et là, ce que m'a proposé Audrey, enfin ce qu'elle m'a proposé, ce qu'elle m'a indiqué comme hébergeur et tout ça, me convient très probablement, en tout cas plus que ce que j'avais vu auparavant. Me demanderait moins d'énergie parce que je suis pas une pro et que tout ça, ça prend du temps quand même. Mais en même temps, vu que vous êtes toujours autant, attiré, c'est pas le bon mot, mais par mes sacs, et puis ce que j'ai envie de vous proposer par la suite, bah, je me dis c'est peut-être le moment de se lancer sur le site internet. Donc là, la semaine prochaine, je pars en Allemagne, vous l'aurez compris, je vais pas m'en occuper. La semaine d'après, ça va être un peu plus tranquille puisque mon fils sera en vacances avec moi à la maison, donc je vais essayer de travailler un peu, mais bon, ça aussi, vous l'aurez compris, ça va comme ça peut sur ces semaines-là. Et je me dis, peut-être profiter de cette semaine-là pour me bloquer des créneaux où je bosse sur le site. Salomé, si tu passes par là, ma cousine, peut-être que tu l'apprendras, mais je vais t'envoyer un message dans quelques jours pour t'informer de mon envie de créer le site, et tu seras la bienvenue pour m'aider. Voilà, bon, ça c'est une... Mais en même temps, c'est intéressant aussi que je vous en parle, puisque voilà, vous ne serez pas surpris et surprise si je vous annonce d'ici fin avril, début mai, que je ne suis plus sur Etsy, mais que je suis... sur un site, mon propre site, voilà, pour comment on dit, sur mon propre site, et du coup, je vous l'explique très ouvertement, et Audrey a raison, hein, enfin, je... Alors, j'ai pris le parti de pas mettre mes sacs, enfin, en fait, tout est... Mes sacs sont pas excessivement chers, j'ai envie que tout le monde puisse s'offrir un de mes sacs, mais c'est vrai que si je peux minimiser tout ce que je paye à côté et en partie le site hébergeur, c'est vrai que je dis pas non. Voilà. Donc merci Audrey, puisque grâce à toi la motivation est revenue de créer mon site, et donc j'espère bientôt vous dire venez voir par là. Mes sacs sont en ligne, et puis ça m'offrira plus de possibilités aussi, je pense, pour faire des personnalisations, des précommandes. Là, je vous avais dit, les sacs dans les tissus indiens, je mettrai une option avec la pochette. J'ai rien compris, enfin vraiment, j'ai essayé, hein. J'ai rien compris, je l'ai dit, ok, j'abandonne, elles n'auront pas la pochette. Et si elles veulent la pochette, elles me contactent, et puis elles me demandent la pochette, limite, mais parce que... J'y comprends rien. Pour moi, c'est vraiment pas intuitif. C'est pour ça que je vous ai dit, me lancer dans la création d'un site internet, il faut que je sois épaulée et il faut que ce soit assez simple. Tout simplement. Bon, voilà, tout ça, c'était à la base pour vous demander si ça vous intéressait que je remette en ligne des sacs grand format, sans bandoulière, et avec, du coup, il n'y aurait pas les petites poches à l'intérieur, mais il y aurait une grande pochette, pour le coup. Voilà, avec, enfin, une grande pochette, pas immense non plus, mais un peu plus grande que l'autre, parce que dans l'idée, j'aimerais bien qu'on puisse y mettre un crayon, voilà, parce que moi j'ai toujours un stabilo, un crayon de papier, et en fait je le mets toujours comme ça dans mon sac, sauf qu'un crayon de papier sur du coton blanc, bah tu le vois. Donc l'idée, c'est qu'avec les grands sacs, on ait une plus grande pochette, pas immense non plus, hein, vous allez pas, ça vous servira pas de pochette pour ranger vos chaussettes par exemple, non.
on n'est pas là-dessus, on est sur la taille d'un stylo, quoi. Voilà, ça fera, je vais pas dire de bêtises, mais la taille d'un stylo. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était tout, là, pour le coup, vraiment, pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui, jeudi, pas très longtemps, puisque j'ai tricoté uniquement sur mon gilet laurier hier soir. Et donc, j'ai commencé, est-ce qu'on verra, j'ai commencé les côtes. Voilà, donc je vous avais dit n'importe quoi la dernière fois, enfin dans ce vlog-là, mais quelques jours avant. je vous ai dit 21 cm pour la taille M, c'est pas ça. Du coup, effectivement, il fallait bien que je continue, donc j'ai continué en jersey. Et puis là, j'en suis arrivée. Il y a quand même 8 cm de côte à faire dans le bas du gilet. Donc franchement, ce sera très bien. Là, vous voyez, j'ai un petit haut avec une jupe. Et en fait, voilà, ça arrivera sensiblement à la même taille que mon haut. Donc c'est ce que je veux. Je suis passée sur une taille d'aiguille 5 comme nous le préconise Stéphanie. Et voilà, et j'adore toujours autant la couleur de cette laine, franchement. Donc il avance tranquillement, vraiment très tranquillement. En même temps, cette semaine, tout a avancé tranquillement, mais c'est pas grave. Voilà, il y a des semaines comme ça. Je ne vais pas me forcer à tricoter plus ou à me mettre la pression. J'avais aussi d'autres choses à faire. J'étais pas en état de tricoter à fond. Bon, voilà. Enfin, y a rien de grave en soi. Et puis, j'ai quand même avancé sur plusieurs choses. Donc, au final, voilà. J'espère juste que ce vlog va pas être inintéressant au possible. Sinon, je m'en excuse. J'espère que le prochain... dans 2 semaines, du coup, sera plus intéressant que celui-ci, que j'aurai plus de choses à montrer, que j'aurai meilleure mine. voilà, bon, ça fait partie du quotidien et c'est le jeu aussi quand on se lance à faire des vlogs toutes les semaines, quoi. Alors, j'aurais très bien pu vous dire, en fait, non, je tourne pas de vlog, je l'ai pas senti comme ça. Et puis moi, ça me fait tellement plaisir de venir vous voir que... je me suis même pas posé la question finalement. Donc voilà, j'espère quand même que celles et ceux qui seront restés jusqu'à ici ne se diront pas « Ah je me désabonne, j'arrête de la suivre ». Voilà, il y a des semaines où on va mieux que d'autres, où on avance plus sur notre tricot que d'autres et c'est normal. Donc voilà, je vous le partage aussi. Ça, c'est pour une chose. Je reviendrai certainement dans l'après-midi parce que j'ai passé une commande sur laine et tricot et normalement, elle arrive aujourd'hui. Alors, vous savez que moi, le facteur, il arrive jamais à la même heure déjà. Et puis, en plus, souvent, c'est en début, voire milieu d'après-midi. Donc, on n'est pas pressé. Quand on a la notif qui nous dit « Vous serez livré tel jour », oui. Mais voilà, faut attendre une demi-journée, quoi. C'est pas à 8h, moi, le facteur est là en mode je mets dans... Non, ça se passe pas comme ça ici. En tout cas, pas pour mon adresse. Bon, c'est comme ça. Du coup, je viendrai vous montrer un peu ce que j'ai commandé. Et je pense que le vlog va s'arrêter après cette commande, quoi. La prochaine fois que je reviens vous voir dans la journée, là, parce que je suis pas persuadée de beaucoup tricoter non plus ce soir. Et puis il faut que j'enchaîne aussi pour vous filmer la vidéo qui sortira le vendredi de la semaine prochaine, la foire aux questions. Donc voilà, ça va faire beaucoup de montage aussi demain. Donc, je me dis à la rigueur, vous voyez, là, je termine, enfin, je reçois ma commande, je vous la montre, je coupe le vlog juste après et comme ça, ce soir, ça me permet de le monter et je peux tourner la FAQ et monter la FAQ demain. Et comme ça, je suis sûre que vous les ayez en ligne en temps voulu, quoi.
Voilà, tout simplement. Hein. Donc, eh bien, écoutez, on se retrouve tout à l'heure en espérant que mon colis arrive bien aujourd'hui. Sinon, bah, sinon vous le verrez plus tard. Et puis, je vous dis pas ce que j'ai commandé. Voilà, il reste que quelques heures à attendre et pour vous, quelques secondes finalement. Donc, je ne vous dis pas, vous verrez ça directement à la réception de ma commande. Voilà, ça c'est pour une chose. Et si je voulais vous dire aussi merci parce que j'ai ouvert mon compte Ko-fi. Donc pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est en fait ça vous, je vous ai mis le lien dans les barres d'infos et sur Instagram aussi. Et en fait vous pouvez m'offrir un café virtuel pour soutenir à la fois ma chaîne mais aussi ma petite entreprise. Voilà. Alors j'en ai pas fait la pub. Le but c'est pas de vous dire venez m'offrir un café virtuel. Non. Jusqu'à présent j'en ai pas parlé et vous êtes déjà deux à être venus me faire un don. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais m'offrir un café en tout cas, voire plus. Et franchement, merci infiniment. Je suis toujours étonnée. Je me dis, enfin. Qui suis-je finalement? Qui suis-je pour avoir autant d'amour et être autant appréciée? Je reçois tous les jours, mais vraiment quoi, tous les jours des commentaires bienveillants ou des messages sur Instagram ou me disant mais c'est amplement mérité. Enfin, je suis pas là pour me vanter. Hein. Le but c'est que je rentre encore dans mes chaussures. Enfin, vous voyez. Mais c'est juste pour vous dire, enfin, jamais j'aurais pensé recevoir tout ça, et je parle pas de l'argent, hein, recevoir tout ça en créant ma chaîne YouTube pour partager ma passion finalement. Donc moi je suis trop contente quoi. Voilà. Merci d'être encore présente après 14 ou 15 vidéos sur ma chaîne. Mine de rien, ça en fait quelques-unes. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour la commande, j'espère. Mon colis de chez Laine et Tricot est arrivé. Alors, je vous l'ai ouvert, mais voilà. C'est la première fois que je commande chez eux. Ça a été assez rapide parce qu'il me semble que j'ai passé la commande lundi après-midi. Et donc, on est jeudi midi. Voilà. Alors. J'ai commandé des choses très utiles et puis quelque chose de moins utile mais d'agréable. Alors, on va commencer par les choses utiles. Voilà, vous avez été plusieurs à me conseiller pour les manches de mon gilet laurier que je vous ai montré juste avant ce matin, d'acheter uniquement les aiguilles en 8 cm de longueur. Et je les ai prises en 6,5 puisque je tricote mon gilet en 6,5. Donc voilà, c'est chose faite. Et je rajouterai petit à petit comme ça des aiguilles et des câbles qui correspondent. Mais là, apparemment, sur des grosses mailles comme ça, des manches avec des aiguilles en 8 cm en utilisant le câble de 20 cm, ça se fait très bien. Donc écoutez, quand j'en serai arrivée aux manches de mon gilet interminable alors que... Il se tricote en 6,5 quand même, hein. Mais bon, voilà, j'avance pas. Eh bien, j'aurai ce qu'il faut. Ensuite, et alors là, est-ce que c'était utile? Oui, on peut dire ça. En fait, je suis sur plein d'encours chaussettes et j'en suis arrivée parce que j'ai les Adi Sock Wonder. Que d'ailleurs Monsieur Knitting parle dans son avant-dernier podcast, il me semble. Lui, il en est très content. Moi, j'ai commencé avec celles-ci. Ce sont des aiguilles à chaussettes avec une petite aiguille d'un côté et une grande de l'autre. J'ai commencé avec ça. Et puis finalement, je vous ai dit l'autre fois, j'avais repris mes chaussettes œufs de Pâques avec. Et puis, enfin... Maintenant que j'ai l'habitude de tricoter avec mes Xiaogu mini 23 cm pour mes chaussettes, eh ben j'ai du mal avec les Adi.
Et donc, j'ai plus que une aiguille Xiaogu en 23 cm, en 2,5, puis j'en avais racheté une, souvenez-vous, en 2,75 pour faire mon jacquard. Mais du coup, moi, ce que j'aime bien, parfois, c'est tricoter à la fois ma chaussette à la vanille, puis à la fois une chaussette en dentelle ou en jacquard, hein. Et donc, être sur mes Adi, vraiment, je sais pas, peut-être que les Adi, je les mettrai en vente. Voilà, autant en faire profiter quelqu'un, parce qu'au final, je m'en suis servi très peu, quoi. Mais parce que je pense que je vais pas retricoter avec, je suis trop habituée à celle-ci, du coup. Donc j'en ai repris. Je vous montre parce que vous me posez. Bon, ça veut pas. Mais vous me posez souvent la question de avec quoi je tricote mes chaussettes? Bah, avec des Xiaogu 23 cm, comme ça. Donc là, j'en aurai deux, comme ça, je pourrais être sur deux paires de chaussettes à la fois. Voire trois paires, parce qu'il faut que je vous montre autre chose, un autre achat aussi. Je me suis laissée tenter, j'espère que je ne me suis pas trompée, hein, en 2,5, par les. Parce que, en fait, pour mes manches, vous m'avez conseillé aussi, vous m'avez conseillé plein de choses, mais vous m'avez aussi conseillé d'utiliser les Crazy Trio de chez Adi en 6,5 pour pouvoir faire mes manches. Comme ça, en fait, ce sont trois aiguilles en forme de U, avec un mini câble flexible entre les deux aiguilles et qui permet justement d'alterner comme ça, d'une aiguille à l'autre pour tricoter en rond. Et pour monter les chaussettes par la pointe de laine poudrée, bon, alors je les ai commencées en Magic Loop, vous savez que c'est pas mon truc, mais bon, je l'ai fait, hein. Et puis là, je me suis dit, mais quitte à. Parce que ça a un coût, les Crazy Trio quand même, enfin tout a un coût, hein, mais je veux dire, là j'en ai eu pour 12 euros et les Crazy Trio en 6,5, elles étaient à genre 25 ou 27 euros, quoi. C'est pas pareil. Et donc, oui, je suis un peu regardante aussi, quand même. Et donc, je me suis dit, là, en 6,5, ça se trouve, ce gilet, je vais le faire qu'une fois, ou alors je vais avoir, mais très rarement, à utiliser des Crazy Trio en 6,5, quoi. Alors que des Crazy Trio en 2,5 pour faire la pointe de mes chaussettes, bah ça, je vais les utiliser plus souvent. Donc, je peux investir. Et je crois qu'elles étaient à 17 euros, un truc comme ça. Donc voilà, je les ai prises en 2,5, taille 21 cm. Je sais pas s'il en existe d'autres. Je vais les ouvrir pour qu'on regarde ensemble. Ah oui, et alors c'est ça. Qui en parle de ça? Qui parle de ces. Eh ben, c'est parce que j'ai regardé Claude Tricot qui parle justement. Merci Gwen d'ailleurs de m'avoir partagé sa vidéo de son avis sur les Crazy Trio. Et donc, elle explique que les Crazy Trio, leur particularité en plus d'être trois aiguilles, vous voyez, avec le mini câble au bout, c'est qu'il y a un côté plus pointu que l'autre. Ah oui, effectivement. Je ne sais pas si on verra bien. Alors attendez, ça ne sert à rien de prendre les trois. Celui-ci, en bas, est plus pointu que celui du haut. Et du coup, bah, on prend dans le sens qu'on préfère. Je trouve ça quand même pas mal, quoi. J'ai hâte d'essayer. Alors, je les ai serrés. Bah, maintenant, je pense que je les ai serrés sur les prochaines. Je pense, hein, je suis pas sûre. Sur les prochaines chaussettes boréales. La deuxième chaussette boréale que je ferai qui commence par la pointe. Donc voilà les Crazy Trio, et puis comme ça je vous en parlerai. Ça fait un peu la nana qui vous a parlé de Ko-fi avant, et puis là qui vous dit j'ai passé une commande. Mais ça va aussi être pour ça finalement que j'ai ouvert mon compte Ko-fi. C'est parce que moi j'ai bien envie de vous montrer des choses, de vous présenter des choses et tout ça. Avec mon œil de débutante, de très très débutante, ben ça a un coût aussi, et du coup, je me dis, bah, ça peut être aussi l'occasion que vous m'aidiez quelque part à m'offrir cette
possibilité de vous présenter davantage de matériel avec mon et de vous en parler en fait, de vous faire mon retour. Toujours sur le même principe de vous faire un retour, j'ai longuement entendu parler des aiguilles IAIA, mais beaucoup de personnes disent qu'elles sont très très pointues au bout. Et moi, comme j'ai l'habitude de tricoter en avançant mes mailles, je sais plus comment je fais. Ouais, je pousse comme ça avec mon doigt, donc souvent au bout du doigt là, ça me fait mal déjà avec mes Xiaogu. Donc les IAIA, je me disais, bah c'est pas pour moi quoi. Et en fait, ce qui se passe avec mon châle brioche, que j'ai tout détricoté puis que j'ai remonté un tout petit peu, j'ai pas retouché hein, depuis, c'est que comme on revient à chaque fois au début, donc je remets mes mailles de l'autre côté pour retricoter ma deuxième partie de brioche, et ben à force de faire ça, j'ai au bout de, allez, de trois allers-retours à bouger mes mailles d'un côté et de l'autre, et ben j'ai mon câble qui se dévisse en fait de mes aiguilles. Donc j'ai le kit d'aiguilles interchangeables de Xiaogu. Et donc je me suis dit, bah pour ce câble-là, teste les IAIA en fixe. Donc moi je le tricote en 3,25 et là j'ai pris un câble de 80 cm. Tente-les en fixe, comme ça tu verras bien. Et puis ça me fait toujours une paire d'aiguilles pour mon châle. Alors avant de vous les montrer, je vous montre comment ça se présente. Alors derrière, on a des petites chaussettes avec un petit marqueur. Ok. Elles sont super longues, hein. Je vous dis. Je découvre. Le câble est bah, rien à voir avec. Ça me semble bizarre. Ça me fait penser, vous savez, je sais pas, hein, j'ai pas encore tricoté avec, hein, mais ça me fait penser le câble là aux aiguilles qu'on trouve genre chez la Farfouille ou Centre-Accord. Mais c'est parce que le câble des Xiaogu, il est pas du tout comme ça. Par contre, effectivement, au niveau de la jonction entre le câble et l'aiguille, on voit que c'est quand même bien travaillé. Bon, écoutez, on verra. Par contre, elles sont longues, elles font combien de centimètres? Elles font 13 centimètres, ah oui. Bon, ben écoutez, on verra. Après, du coup, je sais pas. Eh ben écoutez, je passerai mon châle, une brioche pour le thé sur ces aiguilles-là. Comme ça, ben, je pourrais vous dire assez rapidement. Moi, je suis pas prête de le retricoter là pour l'instant. Mais je vous dirai ce que j'en ai pensé des Yaya. Ah, j'ai pas regardé au bout si. Ah ouais, elles sont pointues. Hein. Elles sont. À mon avis, ça va me faire changer ma façon de repousser les mailles sur mes aiguilles, enfin d'avancer les mailles sur mes aiguilles. Eh bien, écoutez, voilà. Je vous donnerai mon avis dès que je peux. Et alors là, bon bah voilà, je me suis fait plaisir. Sophie, au fil de la ruche, nous les montre souvent en arrière-plan, ou alors tricotée. Là, elle en avait fait pour un bébé d'une de ses tricopines. Je veux pas dire de bêtises, mais elle a fait un petit poussin ou un petit canard, je sais plus. Oh là là, c'est trop mignon. Je suppose que ça veut dire tricoter en Magic Loop. Mais peut-être que ça me fera aimer le Magic Loop parce que franchement, c'est des mignonneries. Enfin, moi, vous savez, hein, j'adore tout ça. Et donc, bah, j'ai craqué. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai commandé sur Laine et Tricot parce qu'il n'y avait que là-bas que je pouvais le trouver en disponible et en français. Et donc, voilà. Je l'ai même pas feuilleté, hein. Je viens d'ouvrir le colis, mais déjà, voilà, je vous, voilà, non, j'allais dire, je vous disais juste avant, mais en fait, non, c'est que j'ai tourné la vidéo foire aux questions, mais bref, je vous disais que j'adorais l'objet livre, bah là, il est beau. Rien que le livre, sans l'ouvrir, il est trop beau. Donc, je suis trop contente. Je suis trop. Alors ça, faut pas que je le montre à mon fils qui va tout vouloir, c'est sûr. Oh ben voilà, c'est ça. Dodo et Mimosa.
les petits... Ça, c'est trop mignon. Bah oui, bien sûr. Bon, voilà. Je pense que je vais regarder un peu. Je vais lire un peu là ce soir. Je vous dis, hein, de toute façon, je vais pas beaucoup tricoter ce soir. Je vais faire surtout du montage vidéo. Et puis, bah voilà, ça me fait plaisir aussi. Je vais regarder un peu comment se travaillent ces petits animaux-là. Mais oh, c'est beau. Franchement, c'est trop beau. Non mais sérieux quoi. Si j'arrive à faire ça, bah je suis la reine du tricot. Pour moi, hein, dans ma tête, ce sera un espèce de goal ultime, vous voyez. Non mais c'est trop mignon quoi. L'ourson en mode petite chemise, machin. J'adore. Bon voilà, Mouche et ses amis de Cynthia. Valette peut-être, je ne sais pas. Et c'est vraiment un très beau livre. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai un peu plus feuilleté, que j'aurai regardé comment ça se travaille, quel type de laine il faut. Enfin, je vous dis, hein, j'en sais rien du tout, quoi. Mais moi, ça me tentait. Vous savez que j'en fais en crochet. Enfin, j'en ai déjà fait en crochet. J'en fais aussi en couture, des petits animaux comme ça. D'ailleurs, il y en a une qui est... Hop, juste au-dessus. C'est Luna Lapin, je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Et là, si j'arrive à en faire en tricot, ce serait trop cool, quoi. Bon, voilà. Je vous dis, parfois, je suis un peu une enfant, quoi. Mais je pense... Dites-moi si je me trompe. Peut-être. Mais les personnes qui ont cette fibre créative, on a, je pense, je sais pas, on garde un peu une âme d'enfant quand même, plus que les autres personnes qui, comment dire, qui sont pas touchées par ça, vous voyez. Moi, quand je vois des petites mignonneries comme ça, même si j'en fais rien, hein, là, c'est sur une petite étagère, voilà, mais je les vois, ça me procure un truc, je me dis, oh, c'est mignon, voilà. Je sais pas, ça s'explique pas. Bon, voilà. Je reviens aussi sur autre chose, parce qu'hier, j'ai reçu ça. Voilà. Oui, je commande sur Amazon. Ce sont mes pressions. Vous avez été plusieurs à me dire c'est normal, entre guillemets, que tes pressions prime ne tiennent pas bien ou se cassent. C'est parce que tu n'as pas la pince prime. Alors, la pince prime, j'ai regardé, elle est aux alentours de 16 euros. J'en ai déjà deux pinces, mais pas de la marque prime. Moi, ça m'exaspère, en fait, qu'on fasse ça pour acheter... pour réacheter en fait ou rester dans cette marque, enfin bon voilà, aux alentours de 16 euros la pince. La question s'est posée de est-ce que je mets 16 euros dans une pince pour utiliser uniquement mes deux petits sachets, hein, de blanc, hein, de noir, ou est-ce que je mets 17 euros dans mes pressions. J'ai plein de couleurs et je suis persuadée qu'ils fonctionnent avec les pinces que j'ai déjà à la maison. La réponse en image, voilà. Bon, eh bien, écoutez, voilà, je suis contente. Je suis contente de mes achats, je vais pouvoir tester plein de choses. Ça faisait un moment que je voulais tester ces choses-là. Même pour mes manches, je m'étais posé la question un bon moment aussi, puisque vous m'avez donné plein d'astuces, d'idées et de choses à essayer. Et donc, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Écoutez, le vlog s'arrête maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine pour une FAQ que j'ai déjà tournée. J'espère que ça vous plaira. Et puis sinon, on se retrouve pour le prochain vlog dans 2 semaines. Je vous souhaite un bon week-end.